s'arrête. Yo tout le monde, c'est Entroken, on se retrouve pour une game, cette fois-ci pas de solo queue mais de normal, pour changer un petit peu. On reste dans le cadre de l'entraînement de la jungle. J'ai choisi cette fois-ci de partir sur un Wukong. Donc Wukong, un personnage que j'aime bien, j'ai joué récemment justement pour cet entraînement. Donc j'ai un peu touché et mécaniquement on va dire que j'apprécie assez quand même. Je vais partir au raid pour la simple bonne raison que Lee Sin va peut-être min-raid, je ne sais pas. Avec un Thresh, je me dis que ça peut arriver. En normal, du coup, une composition pas banale, on peut le dire. On revoit la Syndra, on revoit un Teemo. On revoit du Darius en face. Composition donc pas très commun. Je me positionne ici, j'aurais besoin que Teemo vienne là. Ça serait bien, histoire de couvrir un minimum. Ou la Syndra, n'y a pas de souci. La Syndra qui est pas trop mal positionnée encore, on peut voir éventuellement des intentions. Ok, parfait. On est en place. Il y a de la cover. Sauf ici, s'il passe par là, bim 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 bim. Elle verra trop tard la Nami. Et elle va death die. À moins qu'elle a des réflexes à la mode coréenne. On va partir donc sur le E. Et après on mettra le Z, on va pas le maxer, on va maxer le E je pense. Et le Z, pourquoi? Parce que ça va permettre de tanker les sbires de la jungle tout simplement. Et donc du dégât en moins, c'est super quoi, je vais rester plus facilement au HP. On apprend de ces erreurs. Allez c'est parti, on va demander de l'aide. Donc pas d'invade. Très bien. Je vais faire. Ils appelleront des renforts. Si je frappe pas le raid, on est mal. Donc j'y tenne run, prendre le moins de dégâts possible. Faut que je m'entraîne. Hein. Là-dessus, l'Iten Run, je suis pas encore super. Je prends le Z. Il y en a qui prennent le A direct, je crois. D'après ce que j'ai vu. Ah, je veux pas faire seul. Qu'est-ce qu'ils savent faire ? Allez, c'est parti. Ok. Hop. Voilà, on prend une popo. Pas trop faire d'HP. Ok, très bien. On va faire direct le blue buff. En mode fifou. D'ailleurs, je vais faire un truc. C'est pas très beau, mais je vais penser. Voilà, on va faire ça. Je smile direct, hein, je pense pas quand même me faire choper. Voilà. Et voilà. Alors, oh, elle se jette dans la bulle en mode life boss, ils sont d'ailleurs que niveau 1. Je ne sais pas si c'est Ward, ça va être compliqué quand même ma gank. Ok, je sais pas si c'est Ward ou si l'on... Que ils ont plutôt fait des mouvements bizarres, donc je vais clean tout ça. Ça pêche de part et d'autre. Ouais. D'accord. Allez, on met la distance et après on revient. J'ai eu super chaud. J'ai eu super chaud. D'ailleurs, j'ai failli mon smite sur le gros. Oh, il est pas content, hein, le Kha'Zix là. Que son pote s'est fait buter, mais c'est comme ça, mec. Dans la jungle, entre un aveugle et un singe, Bon, clairement, ici, le counter de base. Hein. Là, ça s'est joué à la skill. Skill brute. Je sais pas du tout le niveau en face, je vais pas regarder, je m'en fous. Bon, en théorie, ça doit se rapprocher du mien. Hein. On tombe rarement sur des bronzes quand on est des platines. On va un peu tranquillement. On va chercher les opportunités quand on en aura. Pour le moment, c'est un peu calme. On va regagner un peu des HP. Le Teemo est pas bien du tout. Ah oui, bon. Il était pas bien. Bon, je sens qu'il va rester. Et il perd beaucoup de...
Il perd énormément d'ailleurs de... Ah, je suis spot. Je me doutais. Très bien, on va garder sa lane. Non, on va essayer de le choper. Hein. J'ai vraiment envie de taquiner un peu. Ok, c'est Ward ici. Hop, on va faire genre. Hein. Attendez, je pense qu'il est. Non. Je maîtrise. Okay. On se casse. On se casse. J'ai un red buff quand même, faut qu'il déconne. Oh là là, il devient. Hop, please. Syndra qui n'a pas bougé, Timo qui n'a pas bougé. Et les trois qui étaient sur moi, donc. Tant pis! Bon, j'ai joué. Hein. Pour le coup, on n'est pas là pour tryhard. En plus, c'est de la normale. On va pas faire les ouf, quoi. Je veux dire, tranquille. On va retourner du côté du red buff. Dans une minute à peu près, il va revenir. Donc, on va faire. On va smite tout de suite, d'ailleurs. On va faire les gros vress. Peut-être les golems si j'ai le temps. Ouais, j'aurai le temps. À chaque situation. On va faire ça. À moins, bien sûr, qu'une opportunité de kill s'offre à moi. C'est clair, c'est clair. Voilà, c'est ça qui m'espère. Ça va, c'est vite quand même, le team pour farmer au final. Je sais que on m'a dit que j'étais faible dans les premiers niveaux et par conséquence, du coup, vers le mid-game, je suis beaucoup plus impactant. Je vous apprends le mot. Non mais voilà, j'ai de l'impact du coup vers le mid game, un gros vers mon niveau 6 quoi. D'accord, bah ouais, je perds pas de temps du coup, c'est parfait. On va mettre une petite ward au cas où. Mon smite qui arrive en même temps que le raid, c'est très bien là-dessus. J'ai mis un petit peu de temps. Aïe, il est là. Je smite tout de suite pour vraiment économiser un délai tout simplement. Très bien. Il y a de l'action au mid, hein. La botlane qui s'est déplacée carrément. J'ai pas beaucoup de mana, c'est chaud. Comptez sur moi. J'ai mon 6, là ça y est, je vais avoir vraiment de l'impact. Le problème c'est que je suis old mana, c'est showtime. C'est showtime. Il a son red et blue déjà. C'est chaud, c'est pisse. Il va y aller. Aïe. 25 HP, y a pas de soucis. Tout va bien. J'ai chaud. Bon, j'ai vu qu'au red buff ça suffirait, donc je me suis pas trop inquiété pour le Kha'Zix. Mais alors, pour l'autre, j'étais pas sûr. J'étais pas très sûr. Très bien. On va back. C'était chaud. Waouh. J'ai même claqué une potion. J'aurais peut-être pas dû claquer autant. C'est pas grave. Ok, on va prendre that item. Et on va prendre des boots. On va récupérer. Voilà, j'aurais pu prendre une ward à la place. My bad. Il y a de l'action. Ouais, elle a pas trop de mana. Je pense pas que ça va aller bien loin. On va lui dire de faire attention. Don't trade, you are no mana. Wait me, I come. You on bot. Montrez-moi la voie. Pas l'air de vouloir attendre. Je vais le prendre. Très bien. Parce que là, elle était complètement push, elle pouvait pas y aller. Est-ce que c'est Ward? On va voir. C'est pas Ward. On voyage. Allez, on essaie de la voir. Plus pour cible.
On va prendre un peu de forme. Ok, très bien. Alors, on va faire gaffe quand même, 10 minutes, le deck est potentiellement faisable, donc on va éviter de trop grid et de trop s'éloigner beaucoup de cet objectif. Si j'ai une opportunité, enfin, vous me direz, j'en avais une, hein. on a un peu éloigné la backline, mais bon. Je vais aider la Syndra, quand même, j'ai l'impression qu'elle se fait un peu bon. Hein. Little. Nice rush. Ça rage un peu. Ok. Il faut s'adapter à chaque situation. What the fuck? Oh, flash. Oh, elle est pas contente. Oh là là, elle est pas contente, quoi. Ne vous arrêtez pas. Mais c'est son corps. Ah, fail. Ouais, non, CSS. Pas placer mon cul! Ah! Fuck me! Oh, je pourrais pas. Hein. On voyage. Petit peu de counter jungle, ça fait du bien. On a récupéré assez d'HP, on va pouvoir y aller. L'ami est pas là malheureusement, donc ça push, hein. faut en profiter. Ceres Ward. What the fuck? Elle a aucun dégât. Elle a aucun dégât en fait. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Lucie qui fait pas mal de dégâts, par contre, elle est sur une auto-attaque. Ça va, c'est. Je sais pas la 6 malheureusement. Mais bon, ils ont une action. Oh. Tant pis. Ils ont une action, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Ok. On va partir sur Bruta. Et on va partir sur des popos et une ward. Il faut s'adapter à chaque situation. Ok, le red buff qui arrive vers 13 minutes, si je ne m'abuse, en arrondissant un peu les angles. Je crois. Hein. 7 minutes 14. Ouais. Voilà, il est là. Donc 12 minutes 30 plutôt. Comptez sur moi. Très bien. Qu'est-ce que ça fait ? On va essayer de farmer un peu plus que le Panthéon. Même si je suis même pas déjà que le Panthéon. De l'ancienne vidéo, je pense quand même que je farme un peu mieux la jungle. C'est un bien comme un mal, disons. Voilà. Elle est chaud comme la braise. Qui doute de mes capacités? Elle avait la vision. Non! Voilà, le red buff, man. Le red buff. Eh ouais. Eh ouais. Je smite ça, ma gueule. Donc, si je ne m'abuse, le red buff n'est pas là. Ah, ok. Ça, c'est con. Donc, j'ai pas fait de drake encore. Voilà. Je suis ultra spot. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Allô le monde. C'est bon. Tout va bien. Tout va bien. Mais ouais, les links qui ne bougent pas beaucoup dans cette partie. Bon, on voit le changement en fait avec la ranked. Hein. Les mecs, c'est chacun pour sa peau. J'ai bien compris. Non, je déconne bien sûr, mais c'est ouais, ça reste un peu plus solo, mais moins dans le teamplay. Ah bah voilà, là tu as des dégâts, qu'est-ce qui fait que t'as plus de vannes? T'as toujours une sac en quelque sorte. D'accord. Qui doute de mes capacités? Drake. Ah, pas Drake. Pas Drake du tout même.
Ah! Je fais l'auto-attaque. Elle me le balance sur moi, elle est ouf ou quoi? Ne vous arrêtez jamais. Oh. Ah ouais, non. Non, non, mais on déconne, on déconne. Je veux voilà. Frais. Créer la distance. Parfait. Ce qui me rassure, c'est qu'ils n'ont pas fait le break. Hein. C'est surtout ça qui m'intéresse. Ok, très bien. Réfléchissons, qu'est-ce que l'on pourrait faire? On va tenter un petit drake quand même parce qu'on a vu le Lee Sin s'extirper. On va sortir un peu. Bah ouais, il est au top. Hein. 640, très bien. Très bien, très bien. On va essayer de gank ce truc là, ce cafard. Oh merde, ça c'est pas bon. Gank top. Il a choisi son pic, hein, y a pas de souci, mais il est censé défoncer en fait son match-up. Pour moi, il a pas trop besoin de gank. Hein. Mais bon, je sais très bien qu'il est en train de 0-3, je suis pas aveugle. You troll. 0-3. Bon, je le taquine un peu. Mais bon, voilà, c'est normal, je m'en fous un peu, hein, pour le coup, là. C'est un Timo, le mec, il a choisi de partir dans son délire. J'y peux pas, enfin, c'est pas moi qui lui ai demandé de prendre Timo, quoi. Après, il a un Darius, je me suis dit, il counter déjà, on va dire en blind, donc GG à lui. Il arrive à lose, je sais pas comment. On apprend de ses erreurs. Waouh. Syndra qui est chaud comme le Braz. Et voilà. Okay. Pas grave si j'ai pas tous les kills. Le but c'est aussi d'en laisser aux autres hein, en tant que jungler. Jungler ça m'intéresse assez comme rôle, je vais vous avouer, parce que c'est un truc, moi je suis pas un joueur très solitaire, je préfère le teamplay au moins. Et ouais, ce petit côté, vous voyez, vous apportez les buffs. C'est chaud, bah, je trouve ça. Voilà, je lui ai pris un peu de forme, mais faudra aller cogner, hein, on lui laisse des kills. Timo qui ward pas en fait, un peu de problème. Hein. Bon, c'est bon, il s'en sort, mais. Ward, please. Ouais. C'est un peu le grand grand défaut là, c'est que notre top laner ne ward pas. Donc ici, soit il ward, soit il champ, je m'en fous, mais qu'il fasse quelque chose pour son map control. Là, il a un map control trop limité, je trouve, pour un Timo. Après, bon, je suis pas un grand leurre de Timo, je vous avouerai. Mais bon. Putain, il n'y a pas de debuff quoi. J'ai pas assez counter jungle, j'ai 1700, c'est pas dégueu. Très bien. Très très bien. Oh, casse-toi. Elle est ouf ou quoi là? Elle prend la gros de la tourelle. Wow. Oh pardon. Je viens de taper dans le micro, je pense que vous avez entendu de toute façon, c'est pas du boom, hein, du bruit. Tout simplement on va essayer. Voilà. Bon, je le clean pas volontairement histoire de mettre en retard. Voilà, on esquive.
Oh, le flash de claqué carrément. Oh, j'allais m'enfuir avec mon clone. Non, les CD, les CD. Ah là là, Kha'Zix qui a fait mal. Hein. On a buté la veille, mais Kha'Zix qui a fait très mal sur cette action. Pas content, le Kha'Zix. Je l'ai senti, hein, une petite haine envers nous. Il est pas content. Bah, d'ailleurs, il faisait 0-3. Il vient de passer à 3 kills. Donc 3-3, parfait. Ce qu'il fallait pas faire. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Au passage. Ok. Non, ça, j'allais dire quelque chose. Mais... On apprend de ses erreurs. Ok. C'est donc un Kha'Zix mid. Et ça, j'ai pas spécialement. Enfin, je gagne toutes les lanes, mais. Je n'ai pas précisé Kha'Zix mid qui est assez fort et assez oublié à la fois. Mon voyage commence à peine. Et là, en l'occurrence, il s'était fait rouler dessus par la Syndra, qui a 6 kills. Je maîtrise. Ok, très bien. On va voir le Drake. Je pense qu'il n'a pas tardé à revenir. J'ai pas du tout timé, je m'en souviens plus. Je pourrais regarder, mais j'ai la flemme. C'est une normale. On s'en fout. Ok, elle est là. Elle est là, la vilaine. L'homme qui essaye de me focus, hein, j'ai remarqué. Ça fait, je l'ai pas spécialement focus en plus. Mais bon, j'ai l'impression que le Blue Buff vient d'apparaître chez eux. Ça serait pas mal si je pouvais le choper. Il faut s'adapter à chaque situation. Bien. Très très bien. On pourrait tenter un petit baron pour le fun. Voilà, c'est un peu risqué. Après, on a la Miss Fortune qui bait en quelque sorte, hein, sans vouloir, mais elle bait. Puisqu'elle est au bot, elle est visible au bot. Et du coup, les gens vont pas forcément prévoir un baron, pardon. Bon, je prends cher. Allez. Please. Alors, pour information, hein, je vais vous le dire parce qu'il ne le savait a priori pas. Je suis mort parce que là c'est ma team. C'est pas moi, c'est ma team. En fait, pour s'échanger l'aggro du baron, il faut que le joueur qui veut se faire focus soit le plus proche de baron, du nageoire. Et là, ils étaient tous sortis de l'enclos. J'avais plus assez de vie, j'étais foutu. Hein. J'étais fini, il fallait que je flash pour esquiver. Tu m'attendais à un minimum de réaction de mon équipe. Tant pis. Je vais me dire tant pis, on a eu quand même les barons, mais... c'est quand même de leur faute parce que voilà, ils ont vu ma vie descendre. Timo était full life, pouvait s'avancer par exemple et prendre la gros. A priori, il n'avait pas l'information, je lui en veux pas. Hein. Je pense que le Timo n'est pas un grand joueur, je pense que ça s'est vu. Oh putain, ok. Le voyage commence à peine. D'accord, alors là, ils sont pas contents. Allez. Voilà. Qui doute de mes capacités? Il est mort. Par le red buff en plus quoi. Jamais. Allez, voilà. Ce qui est papa. Moi bon, j'ai flash in, mais ça valait le coup puisque du coup il y a de l'action. Enfin, j'ai envie de dire, une petite action sympatoche avec en plus un Drake gratos à côté. Faut juste que je me fasse pas choper par la veine, ça m'arrangerait. Je smile tout de suite, je récupère le bot et après on va au Drake. On va aller prévenir de mon intention en faisant un petit ping. Parce que là pour le coup je peux rien faire hein, sans eux, là. Je ne peux pas y aller. Jamais. S'il vous plaît.
faut s'adapter à chaque situation. Ah, le Drake est pas. My bad. Ok, ça n'a pas été checké, dommage. Dommage, dommage. Ça aurait pu être sympa, un petit Drake en plus pour concrétiser. Bon, là, a priori, un petit manque de contrôle de la bot lane. C'est pas grave. On va faire avec. Du moins, on va faire sans. J'ai pas fini mes bots. Très bien. On va s'orienter un peu plus utilitaire cette fois parce que là, j'ai terminé mes objets. Donc je vais finir mes bottes en doux foyer et je vais mettre une ping probablement. Ça me semble pas dégueu. Comptez sur moi. On va continuer à farmer un petit peu pour ça. Parce que ce que je viens de dire, ça coûte cher quand même. Ouais. Ah, il y a de l'action. Il y a de l'action. Allez, vas-y, j'ai mon outil. C'est quoi ça flash? Vous êtes des ouf de flash les mecs. Il se suit pas. Hein. Hello my engage, please. On va leur demander gentiment avec un petit corps. Avec un petit corps, histoire de faire le gros faux cul. Le gros gros faux cul. Alors, avant. Game détente égale on grid. Bon, c'était gridé de ma part. Après, je pense vraiment qu'on peut engager. On a un baron quand même, faut pas déconner. On a de l'avance, 18-11. Massive Drive fait, donc bon, gros dégâts à placer sur éventuellement Vayne. Sans la Vayne, je pouvais survivre, mais bon, la Vayne, à partir du moment où elle te lock, pardon, encore une fois, à partir du moment où elle vous lock, c'est son passif d'ulti, et ben clairement, elle marche plus vite que vous. C'est tout. À moins vraiment que j'ai mes mobilités, mais bon, là je venais de me faire toucher donc elles étaient pas actives. Non, Syndra back. Non, elle veut sa mana. Sinon, moi je veux bien le blue buff, hein, y'a pas de soucis. Ah bah non, elle back pas. On va prendre le blue. Donc là j'ai la vision sur le Lee Sin, donc le smite. Je veux dire, fail smite, mais. Parez donc ça. Ok. On va laisser le farm. Ok. Que faire hein? J'aime bien envie là, je suis chaud là. Je marche plus vite que toi mec. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je te les ai tous piqués. Oh merde, oh merde, oh merde, merde, merde. Putain, il fait mal. Ah, il fait mal. Allons, forêt. Bon, GG Kha'Zix. Je regardais pas, j'étais pris par surprise, je n'avais pas de grand pas tout cela. Ah, elle est pas bien, elle est pas bien, Nani, c'est ça. Pourquoi tu restes? Oh, belle vue. Belle vue, et elle va vers les champignons, donc GG. Elle va peut-être tuer le Teemo. Le Teemo va peut-être finir, non, il n'y a pas de dégâts. Teemo qui monte en tête. Il y a 200 de farm. Ouais. Ouais, il n'y a pas de stuff en fait. Il a 0 stuff, il n'y a pas de dégâts. Il n'y a pas bien de grands champignons qui font ça quand même, ouais, il n'y a pas de gimmick. Et Nami ouais, qui est resté, elle m'a fait un peu peur, hein. La bulle a passé pas, il l'a loupé pas. Quand vous voyez que vous êtes, je sais pas, 4v2, que votre ADC est condamné comme là, je veux dire, barrez-vous quoi. Cherchez même pas à claquer des ultis, hein. L'espèce c'est précieux. Donc, Bref, tout simplement, je sais qu'ils sont en train de push le mid, mais je ne pouvais rien faire. Je suis tout seul, Syndra aussi. Ça ne sert à rien. On est que deux. Par contre, là, le back. Ah. Allez, parti, 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 parti.
Ça va. Fait quelques dégâts quand même, la Syndra aussi. On est plutôt bien. Très bien. Très 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 bien. Il y a le baron qui est up. Depuis un petit moment d'ailleurs, je pense. On va le clear parce qu'il l'a vu, tout simplement. Il a vu, il l'aurait clear en 2 secondes, sinon s'il a pas l'information. Pourquoi pas. Ok, pas de raid, je pensais qu'il était parti à son raid, il est parti au golem. C'est ward ici. Ils sont pas contents, ils sont pas contents. Ils sont vraiment pas contents. Ah, pardon, j'avais pas vu. Oh putain. Ah ouais, ils sont chauds. Ah, il y a le Drake. Drake. On va pas prendre le smite. On va pas utiliser le smite. Ah bah alors là, ma pauvre. Pour le coup, mon amie est morte, mais je vais prendre direct le Drake. Hein. Et puis pour le baron, on va prendre le 50, 45. Oh, GG. Le problème c'est qu'il fight. On a un Timo. Timo c'est pas fait pour qu'il fight. Timo c'est un côté speed pusher un petit peu. C'est un peu spécial. On apprend de ses erreurs. Allez. Boom. Mad. Comptez sur moi. Fuck you. OP ward, y'avait même pas de ward mec. Y'avait même pas de ward. It's not ward. Je veux un fight. Y'avait même pas de ward. Ça c'est pour les rendre un peu mad hein, parce que ils croient que c'était ward mais pas du tout. Ah là là. Alors là. Je suis content quand même de moi. Je pense que ça s'est vu. Mais là ils ont pris un peu cher. Oh putain. Il y a un mec pas très content. Bon après je m'en fous, il y a des champignons de Timo, il y a tout ce qu'il faut. Ok. Oh là là. Tellement paquet, c'est tellement un cadeau quoi. Non. Méchant quasi. Méchant. J'ai voulu faire gentiment mon blue buff. Enfin, mon blue buff. J'ai voulu lui donner le blue buff. Je me suis fait catch. My bad. My bad. Composition full physique. Très bien. J'ai noté. Ça me va. Ça me va, ça me va. On va partir. Que faire? Que faire? Que faire? Peu chier. Grâce les givrants, c'est pas dégueulasse, surtout contre une Vayne. Quand elle va vous auto-attaque, elle va perdre de la vitesse d'attaque. Et Vayne, c'est basé sur la vitesse d'attaque. Vous voyez, elle a beaucoup de vitesse d'attaque encore. Elle aurait pu prendre un. Ouais, bon, elle est partie sur vraiment un stuff très très late game avec à la place d'un statique plutôt un danseur fantôme. Mais globalement, ouais, elle a beaucoup de vitesse d'attaque. Oh là, elle est pas bien. Non! Non! Tu... Allez! Ah, oh, j'aurais pas le Panta! Ah, oh, j'aurais pas le Panta! Ah, je suis déçu! Ah, je suis déçu. Ah la vache. Bande de fumée. Je le voyais le Panta. Hein. Là, je suis tellement bien dans la game. Ah, mais en vidéo, c'est tellement rare aussi. Quoi. Top case. Et on va faire. Ne vous arrêtez jamais. Coucou, tu vois Malfit. What? Il est où? Oh.
Ok. Il a géré parce qu'il nous fait perdre base de temps en fait. Mais ça c'est parce Faut qu'on fait un peu s'adapter à les chaque fifous, situation. les kikous là. En chase, on pourrait largement finir je pense. Au moins par un baron. Le game est pas spécialement serré quand même. Faut pas déconner, je veux dire le seul qui est La bien il fait place est 8-8 au quand même. sommet. Eh bien, bon ils l'ont eu hein, quand même. Sachant qu'on arrive dans le late game 50 Qui secondes. doute Ah, de mes il meurt capacités? aussi. Non, merde. C'est moins bien, c'est pas très bien ça. Tant pis, tant pis, tant pis. Mon voyage Le commence à Timo qui commence à faire quelques dégâts grâce au bâton du vide et le lion druide terminé. Très bien. Faut dire qu'il lui manquera pas de monde d'air. Ouais. Je pense que c'est là-dessus qu'il part. Faut s'adapter à chaque situation. Très bien. Quand tu auras Abaddon, enfin il aura un impact réel parce que là. Peut-être c'est ça aussi qui nous a ralenti dans notre snowball, hein, c'est d'avoir un Teemo. Teemo, ça peut être très bien, mais à jouer en équipe, on va dire. C'est assez bizarre à dire comme ça, mais. Le problème du Teemo, c'est que côté split push, côté trap. Non, 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 je n'irai pas dans la cage. Je n'irai pas dans la cage. C'est pas vrai. Ok. No panic. Never. Never. On va vendre ce. Maintenant que je suis full stuff, ça c'est un objet en dessous. On va partir sur un stuff un peu plus au-dessus. Trinité. Trinité, ma gueule. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que le Timo était en train de solo baron là. Il y en a un qui peuvent, mais je pas veux Timo. le vrai. Pas Timo. Pas Timo. Ah, Timo est mort. Ah. Ok. Ne vous Je arrêtez pars en jamais. split push, mais les mecs. Le bot push tout simplement parce qu'il y a le drake qui est arrivé. Je l'annonce. Merde, c'est ça que je veux faire. On va mettre la petite pink qui met bien. Et on n'attend pas. Bon, j'ai 20 secondes avant le smite. C'est vrai, ça c'est pas cool. Je suis pas serein là, je vous avouerai. Je suis pas serein, j'ai pas la formation où est le ici. Très bien, il faut on va l'aider. Chaque situation. Du coup, j'ai le smite qui vient d'apparaître. Mais on pas. Bon, est-ce que le Timo a assez miné le baron? On va voir ça d'ici peu. Ça manque de. R. Timo. Ulti R. Ne vous arrêtez jamais. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Oh putain, je l'ai pas eu. Ma gueule. Comptez sur moi. Là, on fait les putains. Je les cache pas. Bon, d'accord. Ils ont complètement abandonné, on les voit. Alors, ça fait une idée de dégâts. Hop, 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 je vais où? Je vais où? Je vais où? Non, j'ai pas de mana. Chaud. Chaud ma mana. Chaud ma mana. Bonne mana. Ma place est oh, au sommet. Fuck. Bon, on va des push tout de suite et on va back. On va back. Trinilol coûte. Ah, on va pas back, non, on va pas back. On va essayer de rusher Trinité. Donc. J'allais jouer Smite le gros quand j'ai vu CHP, j'ai fait ça, même pas la peine. Je
fait quand même pas mal de dégâts hein, pour des push, pour du speed push c'est pas dégueu hein, donc je pense. Okay. Très bien. Il manque pas beaucoup hein. 2500, d'accord. Je vais faire le gros truc. Ça, ça coûte pas beaucoup de mana. C'est pas du solo aussi, c'est très bien. Ok, on a la Trinité, on est full stuff. On peut encore prendre. On peut vendre ses bottes. Pour généralement, je fais ça pour. Surtout pour les carriades. Les Zephyr, les murs, après sur le King, la tête d'attaque. Si vraiment. J'ai d'abord utilisé mes coupeaux, mais là c'est un 3v5. Mais non seulement d'avance, mais je vais faire mal. Voilà. Peu près à rentrer dans l'unité. Il est mort, je pense. C'est bon. J'ai faim. J'ai faim. Bon, je sais que je suis spot, on va battre. Je cours plus vite que toi, mec. Ah! Là, je suis pas bien. Ah, fuck you. J'ai pas utilisé mon rendement. J'aurais pu. Ça leur aurait slow. Peut-être que Zizou, bim bim. Non, mais chaud. Ouais, c'était du grid, mais on s'en bat les couilles. La game est un peu close, que vous pouvez voir sur la mini carte. Ce genre de champ de vision, c'est pas dégueulasse. Quoi. Ok, mais j'en ai rien à foutre, je respecte pas. En plus, il m'a perdu un focus pendant leur limit game. Dès que je gank, plutôt que focus, plutôt la DC, le mec, tout le temps, il a pas arrêté. Que dalle que je le focus tout le temps, tiens. Le Zephyr, donc c'est cet item que je vous parlais contre des bots quand vous êtes un AD. Je pense que c'est un objet suffisamment rentable en late game pour échanger contre des bots. 2800, donc j'ai pas assez d'argent. On va partir sur des consommables. L'élixir. Qui doute de mes capacités ? C'est parti. On va prendre le raid. En late game, ils sont. Bah, ils ont Vayne, mais après, c'est tout quoi. Je pense que les autres. Vayne, Thresh, en fait, ils ont une bot lane late game. Et le reste, c'est une early mid game. Situation. Ils sont pas bien du tout. Appelleront des renforts qui finit pas très bien. On va mettre la pink ici. Je trouve qu'il manque cruellement de map control. Côté sur moi. Allez, ma gueule, tu veux jump in? Tu veux jump in? Tu veux jump in? On apprend de ses erreurs. Je peux pas claquer mon rang. J'ai sécurisé un kill seulement. Ah, Timo il est pas content de cette fellow qui est par le lycée. C'est grillé ça. J'ai pas beaucoup d'HP, je le sens pas là. J'ai pas beaucoup d'HP, c'est un peu grillé. Mais surtout une qui tryhard, hein. Elle essaie de terminer puis belle durée. Hein. Bon là c'est la détente. Bon, après 45 minutes, je pense que pour vous ça commence à faire long aussi. Regardez, on va terminer. On va terminer. On prend ça. Mon équipe qui termine de toute façon. GG Wellplay. Très bien. Ah bon, pour tout, il termine pas. Si c'est bon. Bon bah voilà, c'était un entraînement à la jungle. J'ai encore quelques dosages à faire je pense, et à peaufiner, à optimiser je pense, mais je pense me débrouiller plutôt bien. 18-8, c'est pas dégueulasse. Bon voilà, c'était une normal game classique.
pour changer un petit peu. Ça permet de voir un peu des champions qu'on ne voit pas souvent comme un Teemo. Ça me permet également aussi de vous dire un peu les points forts et les points faibles des personnages qu'on voit pas souvent et pour quelles raisons on les voit pas. En l'occurrence, Teemo, bah, c'est un côté un peu Singed, en quelque sorte. C'est-à-dire que vous êtes très fort sur votre lane, vous minez le terrain et vous êtes là pour attirer le jungler adverse et le mid si possible, le top, en tout cas c'est ça. Vous apportez également du map control, vous trappez les objectifs comme le Drake et le Baron. Ainsi que pourquoi pas si vous êtes bien dans le game et que vous avez push, parce qu'en l'occurrence c'est ça votre objectif, c'est de push avec un Teemo, de détruire les tourelles le plus possible afin que vous puissiez déplacer vos mines plus proche, on va dire, hein, plus agressivement. Ce qui permet de créer des teamfights en notre avantage en ayant la vision et également ils sont slow, etc. Donc, bref, c'est assez complexe à jouer. C'est pour ça que je disais que c'est plus évident en team play, c'est-à-dire en ranked team par exemple, parce que voilà, votre équipe s'adapte à votre situation tandis que là on ne s'est pas vraiment adapté. Enfin, moi j'ai essayé, hein, je me suis dit je le laisse tout seul, c'est le but, mais il a ragé, il était là, je perds. Bon, voilà. Ceci étant dit, nous allons regarder le graphe et on va se quitter. Alors, dégâts infligés. Je pense être pas dégueulasse, mais je suis quand même Wukong, c'est pas moi qui fais le plus. Teemo qui a infligé beaucoup de dégâts. Très bien. Hein, sur la fin, c'est vrai qu'il commence à piquer. Hein, là, le stuff qu'il a, il a un très bon stuff. Là-dessus, il n'y a pas de souci à se dire. Il manquait. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait le Rabadon. Là, dans l'idéal, il pouvait partir sur le bracelet de feu mortel. Même, il aurait dû le faire peut-être un peu plus en early, en tant qu'assassin, mais vu que c'était pas bien dans la game, je peux comprendre qu'il ne l'ait pas fait. Hein. Voilà, mis à part ça, donc très bon stuff. Franchement, ça fait des trous d'image, ça. Ça, c'est. Les mecs, ils se prennent les spells de Teemo, ils le sentent tout simplement. Là-dessus, et voilà. Très bon dégâts. Ok, ah par contre eux ils sont un peu en dessous. J'avais pas vu, ouais, ok, ils sont un peu en dessous. Très bien. Bah merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à la prochaine. Ciao ciao!